De retour sur Vacarme, je suis avec Kenny de l'équipe NVS bien sûr. Juste après leur défaite contre Fnatic sur Cobblestone, donc première question, est-ce que tu peux revenir sur ce match? Et tout d'abord ce veto, ou est-ce que vous préfériez jouer sur Cash contre eux? Grosso modo, on avait en préparant le match, on savait qu'on allait que les maps providentielles allaient être Dust2, Cash et Cobble. Au randomizer, il restait Cobble et Cash. On est très en confiance sur Cash en ce moment. Mais je veux dire, Cobble, on n'est pas non plus pessimiste, c'est une map qu'on aime bien. Mais je pense qu'on aurait eu... On va dire que sur Cache, je pense qu'on a un meilleur niveau sur Cache qu'ils ont un niveau sur Cobble. Enfin, grosso modo, on était à 80-20 et Cobble, c'était beaucoup plus équilibré. Alors pour revenir sur ce match, on pensait à un moment que vous aviez le match en main et après ben c'est décousu, on a vu Olofmeister qui s'est réveillé et ils vous ont mis plein de rondes d'affilée pour finir quoi. Est-ce que vous aviez aussi cette sensation d'avoir le match en main et de l'avoir un peu laissé filer quoi? Oui, alors le Saitero on fait 7-8 je crois. J'ai envie de dire c'est correct parce qu'on a perdu d'innombrables rounds de cruciaux, pardon. Je suis de Lorient là. Et des clutches, mais outre mesure, on a relativement bien joué. Arrivé en CT, pareil, on prend le GM, mais on met 3 rounds d'affilée en mettant l'écho, donc on était bien dans la game, quoi. Donc c'est très frustrant pour nous. Ça s'est joué sur plein de petites choses, sur le B notamment. Je pense que Six et moi, on a été relativement friable. On a eu, de mon côté, j'ai joué avec beaucoup de FAMAS. Je pense qu'on a fait des calls en défense sur des moments genre bad timing quoi, genre une off B avec mon AWP sur un boost et Olof est là, c'est la deuxième fois du side où j'ai un AWP, donc pas de chance quoi, bad call. Et sinon, ouais, le reste du temps, on était quand même ric-rac au niveau cycle monnaie. Et on savait que ils avaient un jeu très simple, mais qui pouvait être très gênant, disons. Est-ce que on vous a vu pas mal émotif à la fin du match? Bien sûr, le scénario du match fait que. Mais est-ce que là, vous êtes mis une pression, une grosse pression sur cette journée? Est-ce qu'on a l'impression que là, vous êtes vraiment beaucoup plus concentré, beaucoup plus focus que d'habitude, quoi? Évidemment, c'est un match à 2-1, donc le contexte fait que. Fait qu'on est beaucoup plus concentré et que c'était une grande chance quoi. En plus on joue Fnatic, je pense qu'en termes de match-up Fnatic ça collait assez bien avec nous. On avait la game en main et oui, se retrouver à 2-1 et un peu lâcher la game comme on l'avait, c'est très frustrant et ça se ressent directement à la fin de la game quoi. Parce que maintenant aujourd'hui voilà, on est à 2-2 et on n'a plus aucune chance quoi, donc c'est où on assume et on se met dedans directement, ou alors ce sera le même scénario. Plus aucune chance, quand même encore une chance de vous qualifier, ça sera forcément contre un gros. Est-ce que tu as une équipe que tu préférerais affronter à 2-2? Dans l'absolu, non, pas certainement. Je pars du principe que ce soit le premier match, le deuxième match, le troisième match, le quatrième match, depuis le début du Major, c'est tous des grosses équipes. Honnêtement, le Major est à la fois relevé, mais à la fois, disons que ça tombe dans un moment où tu sens que les équipes sont pas toutes préparées et que tu sens que ils vont peut-être pas rester ensemble, à l'image de Fnatic. Donc oui, il n'y a pas d'adversaire facile et j'ai pas certainement préférence pour le 2-2. Qu'est-ce que tu penses de cette nouveauté avec les randomizers dernière map sur les BO1? On a vu par exemple G2 qui a vraiment pour le coup pas chaté là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose ou il faudrait retrouver un système de veto un peu plus classique quoi? Bon, déjà on va leur laisser le temps, ils ont mis quand même longtemps à apprendre un vrai format pour le Major. Parce que moi j'adore le Swiss format, je trouve ça vraiment vraiment cohérent. Mais le randomizer en dernière map, non, je suis pas fan du tout. Pour le coup, nous on a fait 4 matchs, on a eu de la chance 2 fois et on n'a pas eu de chance 2 fois quoi. Même si contre Fnatic c'est un peu différent. Ouais, ce côté
ce côté-là, je suis pas fan du tout. Non. Il y a aussi quelque chose qui arrive avec ces tournois qui durent maintenant presque une semaine, c'est le fait que vous jouez qu'un match par jour. Est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies, surtout pour un AWAP qui doit être chaud? Est-ce que tu vois, ça casse pas un peu la dynamique? Ouais, alors par exemple, il y a une semaine, on a fait un tournoi en Chine, les WG, et on avait beaucoup, beaucoup de matchs dans la journée, et on a vraiment apprécié ça, quoi. Je dis pas d'avoir 6 matchs dans la journée, parce qu'un match, c'est fatigant, surtout quand c'est tight et tout. Mais un match, c'est vrai que ça reste quand même relativement peu. Et après, c'est aussi le format du tournoi qui fait ça. Je pense que peut-être que d'un point de vue extérieur, ça rend mieux. Et dans tous les cas, on n'aura pas trop notre mot à dire là-dessus. Mais c'est vrai que nous, dans notre côté, dans notre équipe, on préférait faire plus d'un match. Sur un point de vue un peu plus personnel, t'as eu une méforme un peu dans l'année 2016. Ensuite, là, tu reviens très bien depuis les derniers tournois. Est-ce que t'as changé quelque chose dans ta préparation individuelle et est-ce que toi, tu ressens cette remontée en forme, quoi? Bon, évidemment, je la ressens, mais je suis évidemment pas satisfait parce que on est rarement satisfait de soi-même. Et quand tu sais que t'es capable de vraiment mieux, t'es quand même un peu déçu, mais après il faut aussi faut pas chercher d'excuses, et je m'en cherche pas dans l'occurrence, parce que quand je suis en méforme et que ça se passe pas très bien pour moi individuellement, et c'est de ma faute, quoi, parce que tout simplement j'ai des périodes où je suis beaucoup plus investi que d'autres, et quand t'es investi, ça se sent directement, tu engranges de la confiance, quand t'engranges de la confiance tu t'es meilleur, par équation évidemment. Mais c'est ça en fait, c'est juste que ça fluctue énormément avec moi, c'est que c'est sur une période je vais être très motivé et je vais donner à tout à 100%, et une autre période où je vais sortir des pracs et je vais rien foutre, quoi. Donc j'ai pas d'excuses, c'est sur moi, c'est mon manque de rigueur et c'est toujours ce qui a péché chez moi. Ok, bon merci en tout cas, il reste plus qu'à te souhaiter bonne chance pour la suite, ainsi qu'à NVS évidemment. Je te laisse le dernier mot si tu veux. Merci à Vacarme d'être présent, vous nous manquez des fois sur les tournois, on va tout donner pour se qualifier, parce que c'est vraiment très important pour tout le monde, les playoffs, vraiment, genre contexte, pas contexte, nous on est à fond dedans, et on espère vraiment, c'est genre notre rêve à l'heure actuelle de réussir à gagner ce dernier match. Donc continuez à nous soutenir, et merci à tous. Ah, merci à toi.